Bonjour à tous, merci pour votre présence. Bonjour. Pour cette conférence de presse avant l'Anse Eindhoven en présence de Francaise et Jonathan Grady. N'hésitez pas à lever vos mains pour poser vos questions. Christophe Chad. Bonjour Franck. Avant le dernier entraînement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point sur les certitudes et incertitudes que vous avez au niveau du groupe des blessés? Merci. Oui, il n'y a pas d'incertitude particulière au moment où on se parle avant le dernier entraînement, en dehors de nos blessés de longue durée, Jimmy et Vulcaire. Bonjour Franck, bonjour Jonathan. Est-ce que vous diriez que le début de saison réussi en Ligue des Champions, enfin en tout cas ces 4 points que vous avez déjà, facilite d'une manière ou d'une autre l'approche de cette rencontre, et si oui, en quoi? Merci. Je n'ai pas réfléchi avec cette question, je ne sais pas si ça facilite ou pas. On prend l'idée, c'est de switcher entre les compétitions et de prendre les matchs comme ils viennent, parce que d'abord, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Les projections à long terme, ça ne marche pas beaucoup dans le football en général. Donc, on a été focalisé sur le Havre dans des conditions particulières, parce que tout le monde ne pouvait pas l'être. Et puis là, on est focalisé sur le match du PSV, et on aura le temps mercredi de se pencher sur Nantes. Bonjour, c'était dans la même veine pour tous les deux. Comment on switch effectivement d'une compétition, on a un peu besoin de points, et une autre où on est leader d'un groupe avec peut-être un enjeu qui apparaît quand on est leader de son groupe après 2 journées? Je vais laisser Jo répondre cette fois-ci. Comme vous l'avez dit, c'est 2 compétitions différentes. On sait que notre priorité, ça reste le championnat, donc c'est certainement le plus important. Après, on est en bonne posture aussi en Ligue des Champions, mais encore une fois, il n'y a rien qui est fait. On n'a fait que 2 matchs, donc on a encore tout à prouver, et surtout à ramener des points. On sait que ça ne sera pas facile, notamment contre le PSV. Donc c'est complètement différent, parce que c'est 2 compétitions différentes. Il y en a un, c'est plus un marathon où il faut être bon sur la durée, et une compétition comme la Ligue des Champions où on a 6 matchs, et 6 matchs à être le plus performant possible, et c'est pas facile aussi, donc c'est 2 compétitions différentes. Bonjour messieurs, vous dites que c'est 2 compétitions très différentes, sauf que la Lens a besoin entre guillemets peut-être de se rassurer après son demi-match du côté du Havre. Est-ce que justement le PSV peut être cette opportunité là? Non, mais on cherche pas à être rassuré ou à être inquiet. On met le doigt sur ce qui va pas. Enfin, ça c'est mon histoire, ça, avec mon groupe, comme on met en avant les choses qui fonctionnent bien aussi. Mais je dis, le match du Havre, on a fait le retour, mais maintenant il est derrière. Voilà, maintenant il est derrière. Et ce qui compte, c'est la préparation de PSV, c'est le match demain soir. Et je vais redire la même chose. Et on passera après au championnat. Mais bien sûr qu'il faut toujours tirer des enseignements de chaque rencontre. Et être au clair sur ces enseignements avec le groupe, avec les joueurs, avec le staff. Mais ensuite, ce qui compte, c'est celui qui vient. Et depuis 6 matchs, notamment, championnat et Ligue des Champions confondus, il y a quand même des choses positives, et à commencer, au-delà de certains contenus, par les résultats, parce qu'on a fait 3 victoires et 3 nuls. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur votre adversaire, le PSV? Voilà, quelles sont les observations un petit peu que vous faites sur ce que vous avez vu de cette équipe? Sans rentrer dans le détail des observations, c'est une équipe d'abord qui a une vraie expérience depuis quand même des années sur la Ligue des Champions, qui est en tête et qui surclasse son championnat national, qui est un championnat qui est devant nous en termes de coefficient UEFA, pas l'oublier non plus. Avec 9 victoires, 30 buts marqués, 3 buts encaissés, bon, c'est tout dire du niveau de cette équipe. Voilà. Et avec un jeu qui est aussi basé sur l'offensive, sur se créer des occasions. Donc une équipe qui est évidemment complète, très complète, et en grande forme. Bonjour Franck. Question à propos, encore une fois, du PSV Eindhoven. Jusqu'à présent, les 2 premiers matchs de Ligue des Champions, vous avez eu des bons résultats, mais là, ça va être peut-être une autre physionomie de match. Vous allez peut-être davantage à l'initiative.
Comment est-ce que vous abordez ça tactiquement? Merci. Quand je les vois jouer, je ne suis pas certain qu'on soit davantage d'initiative. C'est une équipe qui a l'habitude d'avoir beaucoup de maîtrise aussi, donc je ne suis pas certain. En tout cas, c'est trois adversaires très, évidemment très différents que l'on a rencontrés, c'est aussi ça la richesse. Mais c'est le match demain qui dictera si voilà qui dictera ce qui se jouera. Aujourd'hui, je voilà, pas certain qu'on ait l'initiative tout le temps. Bonjour. Avant saison, vous disiez que l'an dernier, vous étiez basé sur un noyau d'une quinzaine de joueurs qui se partageaient 90% du temps de jeu et que vous comptiez plus ou moins être toujours dans cette philosophie-là. Quel constat vous faites en ce début de saison? Vous en êtes au niveau de vos rotations? Alors, je disais ça d'une manière générale. Ce n'est pas que le Racing Club de Lens. C'est qu'en général, toutes les équipes, il y a 90% des temps de jeu qui sont faits à 15-16 joueurs. Voilà. Donc ce n'est pas une particularité du Racing Club de Lens, c'est un constat général. Je sais qu'aujourd'hui, avec l'enchaînement des matchs, avec l'intensité de ces matchs de Ligue des Champions, qui amène aussi sur le plan on va dire émotionnel d'autres aspects, plus le fait qu'on est de plus en plus internationaux, ça amène forcément, de ma part, une réflexion différente pour essayer d'avoir... des joueurs avec à la fois de la fraîcheur physique, mentale, sur la plupart des rencontres. Donc il y a plus de turnover cette année, du fait de ce que je viens d'énoncer, et aussi parce que j'ai un groupe avec un noyau dur peut-être plus large encore que les autres années de qualité, plus homogène peut-être. Bonjour, question pour Jonathan. Est-ce que vous êtes... étonné d'en être là après deux journées en Ligue des Champions, leader de ce groupe, avec ces équipes-là, avec 4 points. Est-ce que vous êtes toujours dans une forme de, voilà, de rêve éveillé et cette parenthèse quelque part qu'est cette compétition? Étonné, non, je pense, parce qu'on met tous les ingrédients justement pour en arriver là. On n'a pas volé, je pense, nos deux premiers matchs et les contenus qu'on a pu faire à Séville et contre Arsenal. Et je pense que c'était plutôt mérité sur l'ensemble des matchs. Après, forcément, oui, étonné par rapport à une équipe comme Arsenal, une équipe comme Séville, de pouvoir rivaliser tout un match avec elle. Et c'est vrai que ça, on a des principes de jeu forts et on arrive à les conserver. C'est ça qui fait notre force, même dans des gros matchs. Et il faut qu'on arrive justement à continuer à faire ce qu'on sait faire le mieux, et c'est ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Bonjour à tous les deux. Franck, vous avez aligné Nampalis Mendy plutôt qu'Andy Diouf sur les deux premiers matchs de Ligue des Champions. Pourquoi ce choix? Et plus largement, qu'est-ce que vous pensez de cette concurrence entre les deux joueurs et comment vous pouvez qualifier leur début de saison à tous les deux? Bon, les qualificatifs, je vous laisse les faire. Pourquoi? Parce que je pense que il y a besoin d'un équilibre un peu différent sur des matchs de ce niveau-là, de cette intensité-là. Une expérience aussi différente. Il y a un joueur qui a plus de 30 ans, qui a 300 matchs. Il y a un joueur qui a une saison dans le championnat suisse, avec une expérience européenne, mais de conférence, qui doit aussi acclimater un certain nombre de choses. Donc sur la Ligue des Champions, jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai fait le choix d'une expérience et d'une stabilité, peut-être d'un équilibre un peu plus important. Ce qui ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Et après, c'est deux garçons qui sont arrivés, pas en même temps, parce qu'Andy a fait toute la prépa avec nous, et Papy est arrivé un peu plus tardivement, évidemment. Mais qui sont très bien intégrés. Ce sont deux mecs top, à l'écoute, intelligents, ouverts, qui cherchent à toujours progresser. Qu'on ait 20 ans ou plus de 30, et ça c'est très très intéressant. Et évidemment qu'il y a encore des choses à chercher comme pour l'un et l'autre, mais les deux sont très 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 bien intégrés, très 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 ouverts à ça. Et après, les deux profils, c'est quand même des profils très très différents pour le coup, mais vous le savez aussi bien que moi. Deux questions pour Jonathan. Parfait, c'est une bonne chose. Le coach a dit juste avant, il est revenu sur les résultats, les derniers résultats qui sont très bons. Comment est-ce que tu juges un peu l'évolution de la capacité défensive de l'équipe sur ce début de saison? Est-ce qu'il y a eu
des petites choses qui ont été corrigées pour arriver à ça. Et deuxième question, est-ce que pour toi, une journée de Ligue des Champions, c'est long de 8h à 21h ? Et comment tu l'ameubles ? Pour répondre à votre première question, je ne suis pas sûr qu'on ait changé énormément de choses depuis la première journée. Il y a eu des adaptations, forcément. Des erreurs, notamment des pénaltys, dont le mien contre Brest, ou notamment avec Salis aussi qui avait fait un pénalty. Donc on avait fait des erreurs un peu individuelles qui nous avaient coûté des buts. Et c'est vrai qu'on a retrouvé une certaine stabilité défensive aussi. Après, ça vient vraiment, le coach le répète souvent, mais c'est pas, quand on parle de buts encaissés, c'est pas que les trois défenseurs et le gardien, c'est vraiment toute une équipe. Et pour le coup, je trouve qu'on est un bloc beaucoup plus compact à l'heure d'aujourd'hui, et on arrive à défendre en avançant constamment, et en étant plus compact, forcément on est plus solide, donc c'est ce qui crée notre solidité défensive. Et oui, forcément la journée Ligue des Champions, c'est quelque chose qu'on rêvait depuis tout petit, donc quand ça nous arrive, notamment la première, moi je me rappelle contre Séville, qui était vraiment très longue, on attendait ça avec impatience, et oui, quand on le découvre, c'est extraordinaire. Jonathan, cette question va être pour toi et aussi parallèlement aussi pour Florian. Vous êtes deux joueurs qui découvraient le très haut niveau peut-être un peu plus sur le tard par rapport à d'autres. Chaque année, on semble s'étonner de votre évolution, de la progression que vous avez, alors que finalement, vous vous adaptez à chaque fois et à la Ligue 1, à la Ligue des Champions. Voilà, quel est ton regard toi sur ça, sur cette progression que vous avez depuis que vous êtes ici et même par le passé? Bah, c'est déjà beaucoup de fierté aussi, c'est une récompense d'un travail aussi qu'on arrive à assimiler. Il y a beaucoup, et je pense la majorité aussi, en partie grâce au staff aussi, qui nous a fait énormément progresser depuis leur arrivée. On est à l'écoute, mais forcément eux ont beaucoup cru en nous et qui nous ont permis aussi d'arriver là où on en est actuellement. Et encore une fois, on arrive à un âge où on a toujours envie de progresser. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de choses et d'axes d'amélioration, et il faut que j'arrive à les gommer, et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours à l'entraînement. Alors par moments ça se passe pas tout le temps comme j'ai envie, mais oui, c'est beaucoup de fierté, parce que encore une fois, quand on a connu le monde amateur et qu'on arrive ici aussi, c'est comme un aboutissement, et on est encore une fois, on est toujours en train de savourer. Même un match de Ligue 1, ça reste un match de Ligue 1, c'est magnifique. Il faut profiter de ces moments-là tout en restant aussi ambitieux et de toujours vouloir faire plus. Hello, this is a question from Holland, from the Volkskrant. You can speak in Dutch, please. In Dutch, okay. Yeah, thanks. Een vraag uit Nederland, aan allebei eigenlijk, aan de trainer en de speler. Jullie zijn een redelijk kleine stad met een heel groot verleden en jullie spelen nu in de Champions League. Wat betekent dit voor de regio en voor de stad en voor jullie zelf om in de Champions League te spelen? Hallo. Oui, on est une petite ville. Vous avez raison. Mais il y a une grosse communauté lensoise, à la fois dans la région et puis un peu de sympathie même dans d'autres régions françaises. Donc, en tout cas, c'est juste un honneur d'avoir permis au Racing Club de Lens et aux amoureux du Racing Club de Lens de revivre la Coupe d'Europe et de la revivre avec la plus belle Coupe d'Europe possible. Donc, voilà, c'est simplement une fierté de. Pour les gens de la région de pouvoir vivre ça ensemble. Un peu dans le prolongement ici. Cette question à tous les deux, à commencer par vous. Franck, vous disiez, je crois, avant Séville, que l'objectif principal était de prendre du plaisir dans cette compétition. Je crois que c'est assez atteint pour l'instant, en tout cas. Est-ce que ces objectifs changent? Est-ce qu'aujourd'hui, ne pas être à l'une des deux premières places de ce groupe serait une déception pour vous? L'objectif, il reste toujours de... Au-delà du plaisir, c'est jamais facile de le trouver, mais enfin, en tout cas, quand on est entraîneur, mais de rester fidèle à ce qu'on cherche à produire. Et s'il y a une des choses qui me, et ils le savent, et Joe il le sait, qui m'embête le plus et sur lequel je transige pas, c'est sur ce qu'on doit faire et ce qu'on doit donner. Voilà. Après, des erreurs techniques,
un but qui rentre parce que le poteau il est bien placé ou pas. Je ne parle pas de poteau carré parce que ça n'existe plus. Pour un hors-jeu de 3 cm ou de 10 cm ou pas de hors-jeu, parce que ça change beaucoup de choses dans les analyses des uns et des autres. Mais on aurait gagné 1-0 le match du Havre, je n'aurais pas été plus satisfait pour autant d'une partie du contenu. Je ne dis pas tout, hein, parce qu'on a quand même fait des bonnes choses, mais d'une partie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est quand même quel contenu dans l'organisation, dans le jeu, dans les intentions et dans les efforts. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, les résultats, vous savez, c'est tellement aléatoire que c'est autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne met pas ce contenu-là, nous, encore plus nous, on ne peut pas rêver grand-chose, voilà, ni espérer grand-chose. Par contre, si on met beaucoup de choses, comme on l'a fait à Séville ou contre Arsenal, bien sûr qu'on peut être ambitieux et on doit l'être. Vous pouvez prévoir les écouteurs. Jo. Une question pour M. Heze. Stade Bollard est connu pour l'atmosphère spéciale. Et c'est possible pour vous de décrire l'atmosphère en nuit européenne? Ben je pense que vous serez là demain soir. Je vous invite à être là demain soir et pour vivre cette atmosphère de Bollard qui est toujours spéciale déjà et qui peut l'être encore un peu plus à certains moments. Et j'espère que demain elle le sera encore. Question pour vous deux cette fois. Concernant Kevin Danso, on a l'impression qu'il monte en puissance, qu'il retrouve complètement le niveau qu'il avait en la saison dernière. Est-ce que peut-être, Jonathan, vous pouvez nous parler de son leadership, de ce qu'il apporte, et peut-être aussi, Franck, la même question. Merci beaucoup. Kev, oui, forcément, on sait que c'est un joueur très important. Qui est un joueur très important, c'est un leader du groupe, et quand il est performant, souvent l'équipe est performante, et c'est vrai qu'on l'a retrouvé, mais on l'avait pas forcément perdu. C'était à l'image de notre équipe, on était un peu moins bien en début de saison. Il a toujours été aussi très professionnel à l'entraînement. C'est un vrai gagneur, et c'est vrai qu'il nous apporte énormément dans le groupe. Alors forcément, quand il fait des prestations comme contre le Havre, ça se remarque aussi, mais je pense que ces matchs, quand on regarde sa régularité au niveau de ces matchs, c'est souvent des très bons matchs. Et moi, c'est un plaisir pour moi d'évoluer à ses côtés, parce que on est complémentaires et on se pousse et on se tire vers le haut ensemble, que ce soit avec Fak et avec Kevin. Donc oui, ça reste un joueur très très important de notre équipe, et quand il est à ce niveau-là, forcément que ça se ressent au niveau de l'équipe. Bonjour. Alors, question pour tous les deux, mais tout à l'heure, Jonathan, vous avez dit que vous avez encore tout à prouver dans cette Ligue des Champions. Est-ce que c'est encore vraiment le cas après ces deux bons premiers matchs? Oui, bien sûr. C'est que c'est pas deux matchs. Bien évidemment que c'est le match d'Arsenal. On nous en parle maintenant constamment dans la rue. On parle de ce match-là comme si c'était. Bien sûr que ça a été un exploit, mais encore une fois, on n'a rien démontré encore. Il reste encore 4 matchs, et c'est sûr qu'une équipe comme le PSV, si on pense que ça va se passer tout seul et qu'on va encore gagner à domicile facilement, c'est se tromper, pardon, et c'est d'aller droit dans le mur. Donc il va falloir qu'on sorte un gros match, on le sait. Il faut remettre tous les ingrédients qu'on a pu mettre à Séville et face à Arsenal, c'est-à-dire jouer avec beaucoup de personnalité aussi, ne pas avoir peur, aller les chercher. Et là, ça se passera bien. Mais encore une fois, il va falloir sortir un gros match, parce que c'est des équipes, comme l'a dit le coach, qui est première de son championnat, qui fait un début de championnat magnifique. Ils ont pris que 3 buts, ils ont encaissé que 3 buts. Donc ça va être très compliqué demain, et l'équipe le sait. Question pour Jonathan. Votre coach parlait de fraîcheur mentale tout à l'heure. Je voulais savoir comment vous vous trouvez, vous, de ce point de vue-là. Comment vous travaillez ça quand on sait un petit peu la saison riche en émotions de l'an dernier, ce début de saison plus contrarié et toute cette excitation de la Ligue des Champions. Comment tout ça influe pour vous à titre personnel? Bah déjà, il y a le coach qui est constamment là pour nous le rappeler, et justement de ne pas penser tout le temps au match suivant. C'est vrai que il y a des matchs à répétition. C'est nouveau aussi pour nous, on ne va pas se le cacher, parce que quand il y a un match de Ligue des Champions derrière, forcément qu'on y pense, et ça serait vous mentir. Mais c'est tout nouveau, mais justement, c'est là qu'on s'aperçoit, comme encore une fois l'a dit le coach, c'est que si on est à 80 ou 90%
Ça peut même sans prétention en parlant du Havre, on peut se faire bouger à l'extérieur contre n'importe quelle équipe. Il faut qu'on soit à 100%. On est une équipe qui court, on a besoin de faire beaucoup d'efforts. Et si on en fait un petit peu moins, ben, ça se rejaillit sur nos performances et sur nos contenus. Donc on a tout intérêt, nous, les joueurs, à être constamment à 100% à tous les matchs pour pouvoir prétendre à faire des beaux résultats. Merci beaucoup. Merci, au revoir.